sur la République du côté obscur de la force comme toujours. Et cette fois-ci on s'en allait on s'en allait vaincre des droïdes et des isotopes. En fait on s'en allait vaincre l'armée de l'Archon pour pouvoir protéger nos sites de forage laser, pour pouvoir sauver la planète, du moins plus l'empêcher d'exploser en tout cas. Et en arrivant ici, j'ai juste voulu voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ça et j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas encore activé parce que je voulais le faire en vidéo, même si ça c'est pas très intéressant. J'ai trouvé un truc de codex, un codex. Je voulais juste, voilà, tout.
fait... Ah, il fait la même chose que celui que j'ai, par contre, il est dégueulasse. J'en ai déjà eu un comme ça, mais ça, ça fait beaucoup plus soldat ou même chasseur de primes que quoi que ce soit d'autre. Là, il n'y en a pas d'autres à l'intérieur. Bon, j'ai pas l'impression. Et je vais ressortir pour pouvoir faire aussi la même, en même temps le test de résistance, la mission test de résistance. Et pour trouver d'autres droïdes aussi, parce qu'il y en a d'autres dehors. Probablement qu'ils soient déjà tous morts, comme celui-là. Et aussi pour essayer de réaliser quand même.
marche à tous les coups. Yeah.
La plateforme minière est sécurisée. Envoyez l'équipe d'ingénierie. L'équipe d'ingénierie est en route. Tous à vos postes. Bedeck, chargez le programme de forage. Van, faites chauffer le laser. Et une plateforme en moins. Encore deux. Et la prochaine est entourée par un bataillon de régulateurs. L'Archonte a envoyé des overtanks, une force aérienne et des soldats blindés dirigés par le chien de guerre. Le chien de guerre? J'ai déjà entendu parler de lui. Le chien de guerre est le fondateur de notre armée de mercenaires préférés. 70 ans, scellé dans une tenue de combat, il a réquisitionné des cuirassés et c'est notre deuxième plus gros problème. Le pire, ce sont les chasseurs conçus pour le combat en basse atmosphère. Ils vont déchiqueter nos ingénieurs, à moins qu'on trouve de l'artillerie mobile. J'imagine que vous n'avez pas fait venir tout un arsenal sur Makeb. Il y a assez peu de place sur la navette. J'ai pris des rations plutôt que des missiles. C'est de ma faute. Mais l'escouade du chien de guerre est armée de roquettes lourdes. Si vous parvenez à en emprunter quelques-unes, elles abattront aisément les chasseurs. Si on a besoin de l'équipement du chien de guerre, on a une chance de pouvoir racheter son contrat. Je ne sais rien de lui, mais certainement pas. Je vous conseille de l'abattre si l'occasion se présente, mais c'est à vous de voir. D'accord. Équipe de soutien, terminée. Bonne chance. Alors, je crois que je vais m'en équiper parce que c'est plus fort pour l'instant. Pas. Je sais pas. J'en ai pas envie en fait. À plus tard! Oh merde.
vite, vite, là, tu trouves. Après avoir été voir le message, je vais arrêter la vidéo ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à l'endroit où est-ce qu'il nous montre là-bas, et je vais faire la mission bonus en même temps. Donc voilà, je vais reprendre plus tard, une autre fois, avant de continuer. Donc ça va être la fin de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao!